since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va tester un petit produit qui se connecte facilement à cette passerelle, donc à ce kit d'alarme. Donc, c'est une alarme filaire, donc je vais vous déballer. Il n'y a rien sur la boîte qui met speaker, donc haut-parleur externe. C'est pas un haut-parleur, c'est une sirène qui a l'apparence d'un haut-parleur, mais voilà. Hop, on a un câble qui est assez court, mais avec une extension de câble. Donc, c'est logoté de la marque Digoo. Ça vaut dans les 3-4 euros, donc c'est pas très cher, c'est pour ça que je l'ai acheté. On peut acheter une extension de câble si on veut pas que ce soit près de la passerelle. Ce sera en complément, donc il y a une sirène déjà dans la passerelle, et ça va servir de complément pour avoir une sirène beaucoup plus forte. Donc là, on est sur du plus de 100 décibels. Donc, on va le connecter, donc j'ai enlevé le boîtier à l'arrière. Hop, il suffit de brancher, mais c'est une prise jack classique. Voilà, hop, on branche, on remet le câble ici qui soit en ordre. Voilà, donc maintenant je vais vous faire entendre la sirène. Bouchez vos oreilles. Donc je vais le faire via l'application, comme ça vous voyez les deux interfaces. Je vais mettre le mode SOS, donc bouchez-vous les oreilles. Et voilà, donc vous avez vu, ça reste très 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 fort, surtout quand on a les deux alarmes en même temps. Donc c'est juste un petit test comme ça pour vous montrer. On peut visser, sinon ils fournissent que l'autocollant, les vis, il faudra les acheter par vous-même. Donc vous avez vu que c'est un bon système, très simple et pas cher, en complément de ce système-là. Donc pour ceux qui hésitaient, donc je dis pourquoi pas, moi je vais le tester. C'est pas cher, autant le brancher au niveau de cette alarme. Je remercie comme d'habitude les anciens d'avoir regardé, les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Dingo Dorwan. Someone to forget.